Or, cette soirée du 18 décembre, France 2 diffuse un épisode de la série Nicolas, le flop. En 2015, France 2 décidait d'arrêter cette série inspirée des romans de Jean-François Parot, selon elle pas assez fédératrice et pas assez contemporaine. Les deux derniers épisodes inédits tournés en 2014 et 2015 se passent sous Louis XVIe. Nous sommes en 1781, septième année du règne du bon roi qui n'a toujours pas d'héritier. Le peuple sait qu'il n'est pas très ardent lui, on est au bord de la guerre avec les Anglais et pour convaincre l'Autriche de s'allier avec lui, Louis XVI lui offre une flûte rarissime. Pas de bol, elle disparaît, le policier séducteur Nicolas, le flop, toujours incarné par Jérôme Robard, doit la retrouver, aidé par son adjoint Bourdeau, Mathiam Lecu. Pendant leur enquête, ils rencontreront une héroïne incarnée par Lucie Lucas de la série Clem. Coup de foudre à Noël sur TF1. Sur TF1 c'est un tout autre univers avec Coup de foudre à Noël porté par Julie de Bonnat et Thomas Sisley. Le téléfilm raconte l'histoire de Charlotte Marton, jeune administratrice judiciaire envoyée en Suède pour fermer une usine d'un fabricant de jouets. Sur place, elle se rend compte que Martial, le gérant de l'entreprise, a caché sa visite à ses employés.